Allez. Bon, vous n'avez pas bien chanté, excusez-moi. Hein. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça. On est là pour louer Dieu, c'est pas comme ça. Miséricorde. Pardonnez, c'est pas ça. Mets-moi la gamme. Je vais la monter comment on chante. Mets-moi la gamme. Miséricorde. Non. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Je suis affermi pour tout.
escorté, divinement connecté. Parce que tu m'établis, parce que tu me fortifies, je ne chancelle pas. Non. Marato sakapalato. Non. Je ne chancelle pas. Il me faut la guerre. Je suis établi. Je suis affermi, je déclare et je décrète que je ne chancelle pas. Non. Je suis affermi. Je ne chancelle pas. Non. Je suis à cause de ta fidélité. À cause de ton bravo et de ta main étendue, je suis dans le creux de ta main. Je suis divinement gardé, divinement fortifié par ta grâce. Je ne chancelle pas. Je suis affermi pour toujours. Je ne chancelle pas. Parce que tu me tiens. Je suis c'est à cause de ta grâce que je demeure dans la foi. Abba, je ne chancelle pas. C'est à cause de ta grâce. Que je peux tenir debout, mais dans l'action de grâce, je ne chancelle pas. Non. Je suis affermi. Tu m'as gardé debout, tu me garderas encore. Non. Je ne chancelle pas. Si tu es encore là, connecté au son de ma voix, en présentiel ou en connecté, si tu t'es levé encore avec le désir de lui rendre la culpe, ça veut dire que tu n'as pas encore chancelé. Ça veut dire que sa fidélité t'a gardé. Ça veut dire que ta grâce t'a gardé. Ça ne veut pas dire que tout va bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'épreuve. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tempête, il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'ouragan. Ça veut dire que tu es bâti sur le roc. Oh mon frère, ma soeur, bénis Dieu de ce que tu es bâti sur le roc. Élève la voix de gratitude en disant oh Abba Père, merci de ce que malgré les vents, les tempêtes, les cyclones et les ouragans de la vie, les crises en tout genre, ta grâce m'a établi, ta grâce me fortifie malgré les afflictions, malgré les infirmités, les épreuves et les combats, les vicissitudes de la vie. Je suis reconnaissant d'être compté parmi ceux qui ne chancellent pas. Ceux qui sont, qui peuvent dire je ne chancelle pas. Non. Je suis affermi pour toujours. Oh God, we thank you. Louange et honneur et gloire et force et sagesse au rocher de ma vie, à la source de ma vigueur, au Seigneur ma force, à l'Éternel mon rocher, mon fondement, mon bâtisseur, mon ombre à ma main droite, mon bouclier, le héros qui m'a sauvé et qui me garde. Oh, celui qui m'a établi héritier et co-héritier de Christ. Le héros de la rédemption, c'est Dieu le Père. Le cerveau plutôt de la rédemption, c'est Dieu le Père. Le héros de la rédemption, c'est mon grand frère, Jésus-Christ. Il est ma force et mon fondement, mon bouclier, celui qui me perfectionne, qui me bâtit, qui m'enracine et qui me rend une. Et voilà.
chancellerai pas. Laisse-moi te dire une chose, mon frère et ma soeur. Tu ne retourneras jamais. Tu ne retourneras jamais en arrière. Le diable échouera lamentablement à propos de toi. Tu seras un sujet de dépression pour l'enfer. La dépression sera son partage lorsqu'il verra que malgré la vallée de l'ombre de la mort, tu demeures fondé, tu demeures inébranlable dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Et tu ne jettes pas l'éponge. Ah non, bien-aimé, tu seras compté dans la catégorie des plus que vainqueurs. Pas des vainqueurs, mais des plus que vainqueurs. Le mot plus que vainqueur vient d'un mot grec qui signifie pas juste au-delà de la victoire, mais des gens qui sont allés au-delà, bien au-delà de la victoire. C'est ce que ça sera ton partage. Ils sont allés dans la dimension, pas de la victoire, mais dans la dimension du triomphe, du triomphe, du triomphe. Oh, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher par Jésus-Christ et qui répand par nous le parfum, l'odeur de sa connaissance. Ah, tu es le parfum de Dieu, je suis le parfum de Dieu. Tu es la bonne odeur de la vie éternelle de ta génération. Bénis le Seigneur de ce que sa grâce t'établit et te rend inébranlable. Amen, 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 au rocher de ma vie, au Seigneur ma force et mon bouclier dans le nom de Jésus. À ma Père, nous t'avons ainsi célébré. Des acclamations en son honneur. Tu n'es pas obligé, mais il y a quelqu'un à côté de toi qui reconnaît qu'être debout, avoir encore la grâce de croire, c'est déjà un témoignage et un miracle vivant, mon frère. Si tu savais le nombre de doses que le diable a envoyées pour ébranler ta foi, pour ébranler ta vie spirituelle. Mais si tu es là en train d'acclamer, si tu es là en train de lever les mains, ça veut dire que l'enfer tout entier a lamentablement échoué à propos de ta vie. Terminator dans la place. Est-ce qu'il y a un Terminator ici? Un Terminator, c'est quelqu'un qu'on n'arrive pas à achever parce qu'il est inébranlable. Oh, donne la main si c'est toi. Il y en a, c'est pas qu'ils ont fait des exploits, c'est juste qu'ils sont restés debout. C'est pas ce qu'ils ont accompli, c'est comment ils ont tenu. Quand tu regardes les martyrs, les héros de la foi, ils ont fait quoi? Étienne a fait quoi? Non, c'est ils ont tenu dans la foi. Ils ont tenu dans la gratitude. Ils ont tenu dans l'action de grâce. On te comptera parmi les plus que vainqueurs. Les plus que vainqueurs, c'est ceux qui ont dépassé longtemps la victoire. Tu n'es pas à la victoire. Ça fait longtemps que tu as quitté le stade de la victoire. Voilà pourquoi on t'appelle un plus que vainqueur. Que cette grâce localise ta vie. Au nom de Jésus le Christ, Adonai. Quelqu'un dit gloire. Bon, les chants, on est ensemble, hein, pardonnez-moi. Hein, mais vraiment, il y a des choses, tu vois, non? Jésus a dit le zèle de ta maison. Il est venu la chicoter tout le monde. Et puis on lui dit, mais pourquoi tu chicotes les chants? Il dit, le zèle de ta maison me dévore. Donc vraiment, il faut me pardonner, on est ensemble. Mais quand le zèle me prend, je suis désolé. Ah! Acclame Dieu pour ton pasteur, acclame Dieu. Pas lui, pas le pasteur, mais le Seigneur. Quelqu'un dit gloire encore. Je suis un homme de l'esprit. Comme l'esprit, moi, quand ça boue, moi, ça bouge. Je suis désolé. Voilà. Donc, bienvenue à Impact Centre Chrétien. Viens vous asseoir. Ah oui, non, non, on acclame d'abord le Seigneur pour nos églises connectées. Quand même. Pour bénir Dieu. Pour la grande famille qu'il bâtit. Pour bénir Dieu pour ce qu'il fait à travers notre modeste famille Impact Centre Chrétien. Mais nous reconnaissons que ces œuvres ne sont pas insignifiantes, elles sont admirables. Alors on bénit Dieu pour les églises Impact Centre Chrétien.
Alors, vous savez qu'en Belgique, il y a maintenant un pasteur chrétien à Anvers, à Charleroi et même à Mons. Donc, l'église s'étend, elle se déploie, on bénit le Seigneur. Le pasteur Christian fait un excellent travail parce que ça, c'est sous sa supervision que ça se passe. On est juste reconnaissant à Dieu. Quelqu'un dit amen. Voilà, béni soit Dieu. Merci Seigneur de ce que tu fais à travers cette grande famille qui n'est pas encore assez grande, mais qui est encore appelée à s'étendre. Au nom de Jésus, amen. Et vous asseoir dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, le zèle de sa maison me dévore. Tu me regardes comme ça, toi tu ne connais pas le zèle. Hein? Ok, il n'y a pas de problème. On est ensemble, je te pardonne. Alors ce matin, le Seigneur m'a donné donc une parole prophétique. Il m'a donné une parole pour t'alerter et te prévenir de ce qui est en train de se passer actuellement. Et donc, ce n'était pas prévu, mais c'est ce qu'il m'a dit d'annoncer. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, le titre de mon message, c'est, en fait, c'est simplement la réalité de ce qui est en train de se passer. Après le Covid, le diable veut encore ébranler ta vie spirituelle. C'est ça qu'il m'a dit de te dire. Il faut que tu discernes ce qui est en train de se passer. Et il est en train de le faire à travers l'inquiétude. Mais, contrairement au Covid, alors là, je t'assure, il va se prendre le visage dans la porte, ou autrement dit, il va lamentablement échouer cette fois-ci, parce qu'il ne te piégera pas une deuxième fois. Si c'est à toi que j'ai parlé, donne un meilleur amen. Le monde bien-aimé est entré dans une phase de l'histoire de l'humanité, il faut le savoir, qui n'ira vraiment pas de mieux en mieux. Le monde n'ira pas de mieux en mieux, il ira de mal en pis. Pasteur, vous commencez mal votre message. Je commence mon message en te disant ce que j'ai entendu et qui correspond à ce que Jésus nous a dit dans les Écritures. Il nous a annoncé qu'il y aura dans les temps de la fin, il y aura plusieurs types de fléaux, de calamités, de crises qui vont arriver. Je résume ça dans le mot crise. Mais en fait, dans Luc, chapitre 21, au verset 10, il est écrit, « Alors il leur dit, il décrit ce qui va arriver dans les temps de la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. » Il est en train de parler de quoi? De guerre, d'annexion de territoire. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux, des pestes ou encore des épidémies, des famines ou encore des crises. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Et quand tu suis l'actualité aujourd'hui à travers le monde, tu te rends compte que ces phénomènes terribles et ces grands signes dans le ciel ont commencé déjà. La dernière fois, cet été, je regardais aux États-Unis. Il y a des territoires aux États-Unis qui ont connu des invasions d'insectes sans précédent. Il y a des endroits où tu vois qu'il y a des bêtes bizarres. Toutes sortes de phénomènes terribles sont en train de se produire sur la planète. Des températures de 50 degrés à l'ombre, jamais expérimentées. N'avons-nous pas commencé des phénomènes terribles déjà? Des dômes de chaleur dont on ne parlait pas à l'époque. Ça, c'est comme si le soleil vient juste sur une partie. Et puis tout brûle, les maisons brûlent, tout brûle. On n'a même pas mis un incendie. On n'a même pas allumé une mèche. La mèche, c'est le soleil tout seul. Des phénomènes terribles, des inondations, des catastrophes en tout genre. On y est. Jésus l'avait déjà annoncé. Si tu es là, tu dis amen. Et ça, ce sont les effets du réchauffement climatique. Donc, le Seigneur a annoncé qu'il y aura toutes sortes de crise, il a annoncé. Maintenant, ce qu'il faut comprendre avec les crises, bien-aimés, les crises, tout ce que je viens de décrire, c'est ce que je résume au mot crise. Les crises sont des messages. Les crises sont des alertes. Les crises sont des jugements permis par Dieu pour interpeller l'homme, pour appeler l'homme à la sagesse, à la raison, à revenir à la sagesse, à s'humilier, à descendre, à retourner vers Dieu, son créateur. Les crises en tout genre sont des alertes, sont des messages, sont des jugements. Mais les gens ne comprennent pas, parce qu'ils ne savent pas que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde.
Mais toi et moi, on prend garde au nom de Jésus. Les crises sont des périodes de secousses pour les êtres humains. Les crises sont les occasions favorables que l'ennemi utilise pour frapper, pour cibler le cœur des êtres humains, pour bombarder le cœur des êtres humains avec le virus de la peur, l'angoisse, les phobies, l'inquiétude, les crises. Quand il n'y a pas de crise, les gens sont tranquilles, les gens sont dans la joie. Mais les crises sont des occasions de secousse, d'angoisse, de panique. Les crises sont les occasions favorables pour le diable d'en profiter et de venir frapper à la porte et déposer son venin. Mais dans ta vie, il a échoué au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Les crises, m'a-t-il dit, sont des moments choisis par le diable, le tentateur ou encore l'exterminateur. Exactement comme il a fait avec l'Égypte. Il a sillonné l'Égypte, l'exterminateur, survolé chaque maison. Et là où il voit qu'il n'y avait pas la marque du sang, il rentre et puis fait un carnage. Les crises sont l'opportunité, le moment favorable pour l'exterminateur, pour sillonner la terre, parcourir chaque maison, regarder chaque être humain. Et là où quelqu'un ne garde pas son cœur, il rentre dans le cœur et puis il injecte le venin, le poison de la peur. Et ce poison désarme complètement les êtres humains. Il enfante la phobie, il enfante les angoisses, l'insécurité, la peur. Les gens qui ont du potentiel perdent conscience de leur potentiel avec la peur. Elle paralyse le potentiel, elle tue la productivité. Les gens qui sont brillants, talentueux, se retrouvent complètement paralysés, neutralisés. Elle annule la foi. Je t'ai déjà dit que la peur, c'est l'éclaireur du royaume des ténèbres. Est-ce que quelqu'un est là? Combien de gens, à cause de la peur, ne sont pas seulement tombés dans le désespoir, mais il y a des gens à cause de la peur, ils n'ont même pas osé. Ils sont tombés dans l'abandon, la résignation. La peur a rendu plus d'une personne KO, sans combattre, juste à cause de la peur. Non, non, comment ça? Le jour de la peur dans ta vie est définitivement détruit au nom de Jésus. Alors quand tu lis bien Luc chapitre 21, au chapitre 10, au verset 10 qu'on a vu tout à l'heure, le Seigneur nous dit, il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes, des famines. Il dit tout ça là au pluriel et non au singulier. Il n'a pas dit il y aura une peste, une famine. Non, des pestes, des tremblements de terre, des famines. Une nation va s'élever contre une autre nation. Ça veut dire que ce que tu vois là ne va pas aller en s'améliorant, ça va aller en se multipliant et en s'amplifiant. Alors j'entends quelqu'un dire, oh pasteur, arrête. T'inquiète pas, toi ça ira. Ça ira en s'amplifiant, en s'accentuant. Mais à toi, son disciple, Jésus dit dans le verset précédent, au verset 9, il dit, quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, n'est-ce pas ce qu'on voit déjà aujourd'hui? Protestation, contestation, revendication. Donc les crises économiques, les crises énergétiques, maintenant donnent lieu aussi à des crises sociales. Soulèvement. Jésus dit, quand vous entendrez parler de ces choses, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent, premièrement, mais ça ne sera pas encore la fin, mais ça sera l'amorce d'un changement de phase. Le monde ne reviendra plus en arrière. Il ne fera qu'aller de mal en pire. Ou si tu veux, de pire en pire. Mais pas dans ta vie au nom de Jésus. Mais c'est important de retenir ce que le Seigneur dit. Il dit, ne soyez surtout pas effrayés. Le Seigneur insiste pour que quel que soit ce qui arrive, toi et moi, on ne soit pas effrayés. Et il m'a dit de te dire, quand tu entends tout ce que tu entends en ce moment, le réflexe naturel, c'est l'inquiétude. Crise énergétique. On va maintenant vous amener l'Europe. On va vous amener en Afrique. Crise, coupure de courant. Oh oh! Chocoba, chakaba. Nous, on est habitués, nous, on a grandi avec les bougies, les lampes lucioles. Vous, là, dès qu'on crie, dès qu'on dit coupure potentielle de courant, tu as déjà ça là. Oh mon Dieu, comment allons-nous faire? Eh mon frigo, tu vas faire comme on a fait. Tu vas grandir comme nous, on a grandi. Ah oui.
tu vas connaître les réalités, pas du sous-développement, mais du développement mitigé. Si tu es là, tu dis ah, ah non, tu dis aïe. Oui, oui. Vous voulez seulement que ce soit les pays. Vous allez. Pardon. Nous allons partager. Vous allez partager les souffrances des pays sous-développés. Des pays en voie. C'est ce qu'on appelle au nom du principe de la solidarité entre les peuples et les nations. Occident, tu vas m'enfler, baver. Et malheureusement, je suis dedans, moi aussi. Oh Seigneur. Aie pitié de nous. Dis avec moi, aïe, aïe, aïe. Mais malgré tout ce qui s'annonce, le Seigneur dit, ne t'inquiète surtout pas. Ne soyez pas effrayés. Quoi qu'il arrive, crise énergétique, guerre conventionnelle, guerre partout. Maintenant, c'est venu à l'Europe. Maintenant, là où il y en a, là où, des choses qui n'existent même pas dans les autres guerres. En Europe, maintenant, il y a les menaces de guerre potentielle nucléaire avec des petites armes. Quelles petites armes nucléaires? Donc, Hiroshima, c'est 10 fois. Ça va être intensité 10 fois moindre que Hiroshima. Mais ce sont des bombes atomiques que le gars là, Poutine là, il va envoyer. Tchou! Faut le calmer. Seigneur, arrête le pardon. Mais Jésus dit, quoi qu'il arrive, ne soyez pas effrayés. Parce que je te dis, quand tu entends tout ça là, déjà il y a les crises, inflation. Déjà, il y avait le chômage, inflation, crise à gauche, crise à droite, guerre contre le terrorisme, guerre contre l'Ukraine, guerre contre la machine, guerre contre... Naturellement parlant, naturellement. Et en plus, maintenant, pour nous qui sommes en Île-de-France, pour vous qui n'êtes pas... Quoi qu'il y ait des pays qui connaissent ça aussi, je vous dis que Dieu est en train de mener les pays occidentaux à vivre, la France, là. Nous, on est en train d'aller vers... On est en train de sentir... Dieu est en train de nous obliger vers un devoir de solidarité, de partage vraiment des souffrances. Parce que maintenant, nous aussi, on a pénurie de carburant. Hey! 2 heures, 3 heures de patience juste pour faire du carburant. Tiens! Ya. Mais malgré tout ça, le Seigneur dit, ne soyez surtout pas effrayés. Surtout, ne vous effrayez pas. Ne t'inquiète pas pour ton boulot, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète surtout pas, ni pour ta santé, ne t'inquiète pas. Il dit, ne t'inquiète pas, ne soyez pas effrayés. Ça veut dire, ne vous inquiétez pas. Et dans Matthieu 6, 31, il dit encore, dans Matthieu 6, 31, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Ne vous inquiétez pas. Pour vous, l'inquiétude est interdite. Matthieu 6, 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce et la paix de Dieu. Sous-entendu, ne vous inquiétez pas. Alors, quelqu'un dira, mais pasteur, comment en entendant tout ce qu'on est en train d'entendre, on fait pour ne pas s'inquiéter? Épidémie, on est sorti de Covid, c'est vrai, enfin pour l'Occident, parce que la Chine est encore dedans. La Chine n'est pas dedans, ils veulent rester dedans. Ils s'arrangent pour rester à l'intérieur. On vient de bloquer un pays, une région de 22 millions pour quelques cas. Hey! OK. Dieu merci, en tout cas, nous on est sortis de là. Les corps sont immunisés par sa grâce. Alléluia, merci Seigneur. Et puis ceux qui n'ont pas la santé solide vont se faire vacciner, s'ils veulent. Voilà, dis gloire à Dieu. Donc quelqu'un dira, mais comment en entendant tout ce qu'on entend là? Insécurité. C'est-à-dire qu'il y a des crises partout. Quand ce ne sont pas les hommes, c'est la nature qui se déchaîne. Un cyclone qui vient et qui souffle, qui dévaste tout. Franchement, si tu regardes autour de toi, si tu essaies d'avoir la paix à travers ce qui se passe dans le monde, c'est impossible d'avoir la paix. Aucun chef d'État n'a le repos. Aucun préfet ne dort tranquille. Il y a toujours un problème qui va arriver quelque part. Soit ce sont les hommes, soit c'est la nature. Quelqu'un, il y a toujours... En fait, c'est comme si la terre est en train de gronder, de se fâcher. Ça n'ira pas de mieux en mieux, ça n'ira de mal en pire, je te dis. Mais Jésus a dit, toi et moi, on ne doit pas s'inquiéter. Et on doit trouver comment on fait pour traverser toutes les formes de crise actuelles et futures sans stress, sans s'inquiéter. C'est à ça qu'il nous appelle, toi et moi. Pourquoi c'est important de ne pas s'inquiéter, parce qu'il m'a dit qu'il y a une
corrélation directe, un lien direct et étroit entre l'inquiétude et la lourdeur spirituelle. Je te supplie de bien me suivre. Je te supplie de bien me suivre. Il y a un lien direct entre l'inquiétude et la lourdeur, l'apathie spirituelle, la nonchalance, la pesanteur spirituelle. Dans Proverbe 12, verset 25, il est écrit, Proverbe 12, verset 25, l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat. Mais une bonne nouvelle le réjouit. Si tu me suis, tu dis amen. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat. Alors j'ai regardé pour toi le mot abattre, c'est chakao. Ça signifie quoi? L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'accable. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'affaiblit. L'inquiétude dans le cœur de l'homme le fait fléchir, lui fait perdre ses forces. L'inquiétude dans le cœur de l'homme met à genoux cet homme-là. Hier, il était fort. Dès que l'inquiétude rentre en lui, la force s'en va et il commence à se prosterner et à fléchir et à chanceler. Quoi? À cause de l'inquiétude. L'inquiétude n'est donc pas seulement une émotion. Non. L'inquiétude est spirituelle d'abord. Ça agit sur l'âme, mais dès que ça rentre dans le cœur, ça fait rentrer un exterminateur qui va presser le cœur avec la peur, l'angoisse. Et cette peur, cette angoisse, quelle que soit la force, la vigueur et la vitalité que tu avais hier, tu vas être choqué de ce que entre hier et aujourd'hui, juste parce que tu as commencé à méditer, à réfléchir, à entendre des choses qui ont commencé à t'inquiéter, soudainement la force que tu avais hier, malgré tes 40 jours de jeûne, tu peux la perdre en une journée, juste en faisant rentrer l'inquiétude dans ton cœur. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? S'il dit, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne nouvelle le réjouit. Remettez à l'écran quand j'ai dit ça. Mais une bonne nouvelle, une bonne parole le réjouit. Ça veut dire que l'inquiétude là qui est rentrée par des paroles que la personne a entendues, que l'homme a entendues. Autrement dit, l'homme doit éviter de passer son temps à entendre des mauvaises nouvelles, des mauvaises paroles, des mauvaises nouvelles. Il doit éviter de coller son oreille en permanence à des mauvais sons. Parce que ce que tu entends détermine toujours ce qui rentre en toi, qui est en train de t'alimenter subtilement. Tu sais, je disais à mon fils, à ma fille, est-ce que tu sais que tu peux lire dans le noir? Tu peux lire quand il fait sombre, tu peux lire, oui ou non? Tu arrives à lire? Enfin, moi je peux lire dans le noir, tu peux lire dans le noir. Parce que des fois les enfants, tu sais, ils sont tellement insouciants qu'ils lisent, et puis la lumière est très faible, hein? Mais ils sont en train de lire. J'ai dit, tu peux lire dans le noir. Ce que tu ne sais pas quand tu lis dans le noir, c'est que pendant que tu es en train de lire, les muscles de tes yeux sont en train de faire un effort. Donc tu arrives à lire, mais tes yeux sont en train de faire un effort. Mais tu ne te rends pas compte. Mais à un moment donné, tes yeux faiblissent tellement que tu es obligé de porter des lunettes. Tu as réussi à lire, mais pendant que tu étais en train de lire, c'était en train de te fatiguer. L'inquiétude rentre dans ton cœur, tu ne te rends pas compte. Mais c'est en train de te vider et de mettre ton esprit qui était rempli de vigueur après 40 jours de jeûne à genoux, juste par la subtilité de l'inquiétude. Voilà pourquoi Dieu dit, ne t'inquiète pas. Et toute personne qui passe son temps à écouter les informations, à force d'entendre parler, examine ta propre vie. Tu passes ton temps, quand tu écoutes BFM TV, c'est news, les chaînes continuent d'informations. Mais moi-même, je fais ça de temps en temps. Dieu merci, pas tout le temps. Quiconque, mais comment est-ce que le Covid a piégé tous les êtres humains? Ce n'est pas le Covid qui a piégé les hommes, ce sont les médias. Ce n'est pas le Covid qui a inoculé la peur et qui a détruit ta foi. À l'époque, il y a 2 ans. Ce n'est pas le Covid qui t'a éloigné de l'église, qui a cassé ton élan spirituel. Ce n'est pas le Covid. Ce sont les news. H24. À force d'écouter, il a fait tant de morts. Tant de morts. Tant de contagions, tant de morts. Et aujourd'hui, combien? Multiplié par 5, multiplié par 3, multiplié par 2. Tant de personnes hospitalisées, tant de personnes en réanimation, tant de personnes. Hein? Du coup, une voix te dit, c'est toi le prochain. C'est toi le prochain.
Et c'est pas toi, c'est ta mère aussi, c'est ton père, c'est tes frères, c'est tes soeurs. Ce n'est pas le virus qui a fait un dégât. Ce sont les médias qui ont répandu la peur. Ce qui t'a éloigné de l'église. Ce n'est pas que le Covid, parce que même quand l'église avait été immunisée, toi, on ne te voyait plus. Pourquoi? Ton zèle a été cassé. Ta ferveur spirituelle a été cassée. Ton désir de communier avec tes frères a été cassé. Ta vie spirituelle a été cassée, ébranlée. Pas par le virus, parce que tu as passé ton temps à entendre. À entendre. Maintenant, aujourd'hui, le Covid est passé. Mais là, maintenant, il n'y a pas une crise. Il y en a plusieurs. Alors, je vais te citer. Crise énergétique. Crise politique en Europe, puisqu'il y a la guerre. Alors, guerre en Ukraine. Guerre contre le terrorisme. Insécurité dans les villes, dans les grandes villes. Hausse des prix de tout. Coupure de courant. Très probable. Tu n'as pas une crise, là, mon ami. Tu as toutes sortes de crises. Soulèvement. Crise sociale. Tu as toutes sortes de crises. Il n'y en a pas une. Il y en a plusieurs. Et quiconque passe son temps, tu n'as peut-être pas compris, mais quiconque passe son temps à entendre parler, mettre la radio, mettre les infos, mettre la radio, mettre les infos, laisse-moi te dire, sans que tu n'aies vu, tu n'aies compris comment, tu vas remarquer, à un moment donné, ton zèle pour la prière, pour la présence de Dieu, a juste pris un coup. Tu n'as pas compris comment, mais quand il faut prier, tu deviens comme un escargot, un rhinocéros. Tu deviens quelqu'un quand il faut prier. Allez prier. Pourquoi? Parce que l'inquiétude, les soucis t'ont mis à genoux. T'ont fait perdre tes forces spirituelles. Est-ce que quelqu'un me suit? L'inquiétude est donc, m'a-t-il dit, la porte d'entrée par excellence de l'esprit de lourdeur, de l'esprit de fatigue, de l'esprit de pesanteur, de l'esprit d'assoupissement. L'inquiétude est la porte par excellence de cet esprit-là. Et quand il est rentré, il amène les gens à devenir lourds spirituellement, comme des escargots. Il t'emmène à devenir lourd, il t'emmène à devenir lent. Jusqu'à ce que tu décroches, jusqu'à ce que tu descendes, jusqu'à ce que tu diminues, jusqu'à ce que tu jettes l'éponge. Et une fois que tu as décroché, c'est tellement dur de remonter la pente. Et c'est à cause de ça que beaucoup de nos frères et sœurs ne sont toujours pas remis du Covid. Beaucoup ont pris un coup et sont encore à terre. Dimanche, tu fais quoi? Je suis dans la joie quand on me dit. Il y en a qui disent, j'étais dans la joie quand on me disait, allons à la. Parce que tu reconnais que tu n'es plus dans la joie. Tu n'as plus envie de voir ton frère, ta soeur. Dimanche, tu arrives à te contenter d'être au mieux. Et ça encore, c'est vraiment déjà admirable. Hein? Déjà, tu arrives déjà à être devant la télé. Gloire à Dieu. Mais ça ne te manque pas. Ça ne te manque pas. Tu ne gémis pas, tu n'as pas envie de voir tes frères, tes soeurs. Tu n'as pas envie de louer Dieu en présentiel. Pour ceux qui n'ont pas le choix, on comprend, mais toi, tu as le choix. Et tu dis, oh, je vais y aller une fois par mois. Mon gars, il t'a mis à genoux. Je vais aller une fois par mois en présentiel. Tu es à genoux. Ta vie spirituelle est à genoux. Ton zèle est à genoux. Ta ferveur est à genoux. Ton enthousiasme est à genoux. Ton amour agapé. Ton amour, ton filéo à Delphos, l'amour pour les frères est à genoux. L'amour pour tes frères et tes sœurs est à genoux. Si voir les autres ne te manque plus, tu es à genoux. C'est venu comment? L'inquiétude. Tu as écouté tellement. Tu as passé ton temps. Toi, tu t'es informé, mais tu n'as pas compris que la parole n'est pas information. Elle est esprit. Et que ce que tu étais en train de dire, je me cultive. Non, mon frère, tu t'es pas cultivé. Tu t'es assoupi. Et ta vie intérieure a pris un coup. Est-ce que quelqu'un me suit?
Alors l'Esprit m'a dit, tu vois, nous sommes à peine sortis de Covid. Que voilà toutes ces crises qui sont en train d'envahir. Et il m'a dit, maintenant que l'Église est en train de se relever progressivement, tu vois, le diable a vu comment tu t'es relevé dans la période Covid. Il a décidé, c'est ce que j'ai reçu de te dire. C'est pour ça qu'il m'a dit, fais attention à ce qui est en train de se passer. Il a décidé, à travers toutes ces mauvaises nouvelles qu'on est en train d'entendre, il a décidé de remettre l'Église à genoux. Parce que le monde est déjà à genoux, mais pas l'Église. Elle s'est relevée. Mais il a décidé de la remettre à genoux. Sauf qu'il m'a dit de te dire que cette fois-ci, par la grâce de Dieu et l'assistance du Saint-Esprit, il va échouer lamentablement parce que tu ne te laisseras plus empoisonner par l'inquiétude, la peur, l'angoisse, les interrogations, les « Hey, qu'est-ce qui va se passer ?»« Hey, calme-toi !» Parce que maintenant, à partir de cette saison, le Covid a piégé plusieurs d'entre nous, mais ça ne t'arrivera plus au nom de Jésus. Et il m'a dit, la seule manière de faire en sorte de ne pas être inquiet, quoi qu'il arrive, tu sais c'est quoi? Il m'a dit, il faut monter plus haut. Mais exactement, il faut monter sur la montagne, et c'est ce que tu as commencé, c'est ce que tu vas faire. En vérité, il m'a dit que, rien que depuis la semaine dernière, il y en a parmi nous, je pense que plusieurs se reconnaissent parce qu'il me l'a dit. Tu te sentais fort spirituellement. Les 3 jours, les 72 heures non-stop. Mais il y a quelqu'un qui n'a pas compris ce qui lui arrivait. Et en vérité, tu n'es même pas capable d'expliquer ce qui t'est arrivé. Tu ne comprends pas. Mais plus que moi, tu te sens juste lourd, fatigué. Tu te sens pesant. Et tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprends pas. Je n'ai pas péché. Je n'ai pas commis de fautes graves. Et je me sens juste fatigué. Bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent un peu concerné par ça? Je ne demande pas de lever la main distinctement. Je demande juste de toucher. Je demande juste de toucher ta poitrine comme ça. Là. Oui, non, vas-y. Merci. Non, ça me permet de voir si la. Tu sais, ça me permet de savoir si la parole que j'ai reçue est exacte. Si je parle aux bonnes personnes, parce que peut-être que je parle aux personnes qui sont « Oh non, non, pasteur, pour moi, tout va bien. Je suis comme un aigle, pasteur. Je m'envole. » Mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'honnête qui peut juste... Je crois que c'est pour ça qu'il ne m'a pas dit de faire les 72 heures en début d'octobre. Parce que je ne l'ai pas senti. J'ai senti que si je le faisais, pour beaucoup, ça allait être un boulet. Et qu'il y en a qui étaient déjà fatigués, épuisés, et que beaucoup allaient s'excuser. Je l'ai senti dans mon esprit. J'ai senti que beaucoup allaient s'excuser. Mais je n'avais pas reçu le message, je ne l'ai reçu que hier. Mais quand il m'a donné le message, j'ai compris pourquoi. Tu n'as pas péché, mais pourquoi? Je me sens fatigué, je me sens juste. Il m'a dit, c'est à cause de ce qui se passe et auquel tu prêtes l'oreille. Ça t'a vidé, ça t'a mis à genoux, sans que tu te rendes compte. Waouh! Non, est-ce que tu peux acclamer mieux que ça? Parce que je sens qu'il y a un hypocrite qui n'a pas acclamé. Il y a quelqu'un qui veut. Ne t'inquiète pas pour la sœur. Ne t'inquiète pas. Parce que je sais, comme toi tu fais comme moi quand j'étais à l'église catholique. Hein? Tu sais, quand j'étais à l'église catholique, je me mettais à côté des sœurs. J'attendais le moment stratégique où on dit dans la charité de Christ, donne-nous un signe de paix pour saluer la sœur que j'avais remarquée en avance. Hein? Et je me disais, je vais me mettre juste à côté d'elle pour connecter par hasard. Alors, il y a quelqu'un qui est assis par hasard à côté de quelqu'un qui l'observe et tu n'oses pas mettre la main là parce que tu n'as pas envie que la personne te dise « Oh bon, tu es concerné ?» Tu dois garder une apparence de spiritualité. C'est pour ça que tu n'oses pas gratter. On a compris, mais lâche-toi, acclame quand même le Seigneur pour la parole qu'il t'envoie. Miséricorde, miséricorde. Tu t'es à l'œil, toi, hein? Le Seigneur t'a le. Je vois ton sourire là. Oui, tu sais, le Seigneur vient de t'attraper. Alléluia. Oh, quelqu'un dit aïe, 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 aïe. Oui, oui. L'Esprit vient d'attraper quelqu'un. Flagrant délit. Alléluia. Donc, il m'a dit, c'est subtil. C'est subtil. Tu n'as rien fait, mais tu es faible. Alors que je viens de prier, je viens de jeûner. Pourquoi? Tu vas exposer les oreilles. Mais la raison pour laquelle tu ne te feras plus piéger,
C'est parce qu'il envoie la parole pour t'alerter, t'avertir. Et la seule manière, quand le monde entier est pris de panique, quand le monde entier est saisi d'angoisse et d'inquiétude, de peur, de ne pas subir cette peur, c'est de monter plus haut sur le sommet de la montagne. C'est de quitter la fréquence des paroles humaines pour monter plus haut. Parce que pour entendre la voix de Dieu parler, il faut monter sur la montagne. Dieu ne parle pas dans la vallée, Dieu parle aux gens qui montent sur la montagne. Dieu parle aux gens qui s'envolent, qui prennent leur vol comme des aigles. Dieu parle aux gens qui montent plus haut, mais pas seulement plus haut, qui montent sur la montagne, dit amen. L'âme, c'est sur les montagnes, sur la montagne qu'on rencontre Dieu dans le lieu secret. Dieu est un Dieu que l'on rencontre et que l'on entend sur la montagne. Et ceux qui ne montent pas sur la montagne sont effrayés comme le monde. Est-ce que tu me suis? Dieu est un Dieu que l'on rencontre et qu'on entend lorsqu'on prend de l'altitude sur la montagne. C'est là qu'il parle. Regarde, Exode 24, verset 12. L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. » C'est sur la montagne que Dieu parle. Tu n'as pas dit amen? Exode 24, verset 16. « La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. » Tu vas dire amen quand je suis en train de donner la parole. Okay. Deutéronome 5, verset 4. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne. Mais dis amen, miséricorde, miséricorde, miséricorde. Il y a quelqu'un à côté de toi, il dit, moi je suis au pied de la, je suis dans la vallée et je vais rester là. Non, tu ne resteras pas là. Tu vas monter sur la montagne. C'est sur la montagne qu'on entend un autre son. Et c'est ce son qui te décomplexe. Le monde dit peur, peur, panique. Ceux qui sont sur la montagne disent non, calmez-vous. Non seulement ça devait arriver, mais je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. C'est sur la montagne qu'on entend Dieu. Matthieu 14, verset 23. Quand il l'eut renvoyé, en parlant de la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. Quelqu'un dit amen. Quand c'est la parole de Dieu, tu dois dire amen. Luc chapitre 6, au verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Monte sur la montagne, m'a-t-il dit. Ça veut dire prendre de l'altitude. Est-ce que tu es là? Il m'a dit, tu vois, regarde, ce n'est pas le fait d'être enfant de Dieu qui te met à l'abri de la crise, de l'épidémie, de la peste, des fléaux, des ravages, des pénuries, des manques, de la pauvreté, de l'inflation. Il m'a dit, c'est bien d'être enfant de Dieu, mais ce n'est pas tout d'être enfant de Dieu. Encore faut-il être un enfant, un serviteur de Dieu qui apprend à entendre Dieu. Parce que quelque chose qui arrive, Dieu parle. Il a toujours une instruction. Ce qui te met à l'abri et qui te sépare des autres, ce n'est pas uniquement le fait de croire en Dieu, c'est le fait d'être capable d'entendre ce que Dieu dit. Si tu ne me crois pas, regarde Élie. Regarde Élie. Quand il y a eu la crise, il y a eu la famine, qu'est-ce que Dieu a dit à Élie? Élie a été capable d'entendre ce que Dieu disait. Si tu me suis, tu dis amen. Dans 1 Roi 17, verset 3, Dieu lui a dit, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Donc, ce qui l'a sauvé, ce n'est pas qu'il était un serviteur de Dieu. Ce qui l'a sauvé de la crise, la famine, ce n'est pas qu'il était serviteur de Dieu. C'est que c'était un serviteur de Dieu qui est monté sur la montagne pour entendre ce que Dieu disait. Et Dieu a toujours une provision. Dieu a toujours une instruction. Dieu a toujours une direction. Dieu a toujours une parole. Et c'est sur la montagne qu'on l'entend. Ah, si tu es là, tu dis amen.
Et quand le torrent de Kérit a séché, il a entendu encore Dieu. Oh, toi aussi tu vas entendre Dieu comme tu ne l'avais jamais entendu. Tu es rentré dans la dimension de gens qui entendent Dieu. Leur oreille est ouverte, leurs yeux sont ouverts, leurs oreilles spirituelles sont ouvertes. Dieu lui a dit, lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Mais quelqu'un me dit amen. Lorsqu'il y a eu la famine, Isaac et toute sa troupe s'est dirigé vers l'Égypte. On le voit dans Genèse chapitre 26 au verset 1. Il y eut 1 à 2. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et lui dit, ne descends pas en Égypte, parce qu'il y allait. Demeure dans le pays que je te dirai. Et au verset 6, c'est marqué, et Isaac resta à Guérar. Il n'est pas allé en Égypte. Qu'est-ce qu'il a sauvé de la famine? Ce n'est pas le fait qu'il était un enfant de Dieu, qu'il appartenait à Dieu. C'est le fait qu'il a entendu Dieu lui dire, ne suis pas les autres. Ce n'est pas la peine de suivre le mouvement. Je voulais te parler. Et pour que je te parle, monte. Oh, je t'ai dit, monte sur la montagne. Dis à deux personnes, monte sur la montagne, monte sur la montagne. Monte, ne reste pas en bas, monte sur la montagne. C'est sur la montagne qu'il y a la gloire, c'est sur la montagne qu'il parle, c'est sur la montagne qu'on entend. C'est quoi monter sur la montagne? Monter sur la montagne, c'est entrer dans la dimension de Matthieu 6, au verset 6. Jésus nous dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. En fait, aller monter sur la montagne, ça signifie, en vérité, c'est une métaphore, ça signifie quitte la dimension des informations de la chair, quitte la dimension des informations de ton âme, de tes sentiments, ne sois pas conduit par ta chair, ne sois pas conduit par tes émotions, va plus haut, va dans la dimension de l'esprit, parce que quand Dieu se révèle uniquement à l'esprit. Et Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et d'ailleurs, Paul dit que le Saint-Esprit, l'esprit rend témoignage à ton esprit. Alors, monter sur la montagne, ça signifie simplement, décide d'aller dans la dimension de la vie de l'esprit, de la communion avec le Saint-Esprit, de la dimension de la sensibilité, comme disait le pasteur Ken la dernière fois, la sensibilité spirituelle, la dimension où tu fais de la communion du Saint-Esprit et de la connaissance de sa volonté, ta priorité. Dis à deux personnes, monte sur la montagne. En direct, tu n'as pas envie de monter sur la montagne. Toi, tu as envie de rester en durée. Bon, vraiment, je ne vais pas relâcher la grâce. Si tu le dis avec ferveur, je vais relâcher la grâce de monter et de demeurer sur la montagne. Mais si tu ne dis pas amen comme le tonnerre, je ne vais pas relâcher la grâce. Ah bah oui. Alors acclame Jésus. J'ai dit monte sur la montagne. Monte sur la montagne, ça signifie deviens un homme, une femme de l'esprit, conduit par l'esprit, conquis par l'esprit, qui planifie par l'esprit, qui décide par l'esprit, qui pense par l'esprit, qui prie par l'esprit, qui marche par l'esprit et qui fait du Saint-Esprit sa priorité absolue. Ah, mais quelqu'un dit amen. La grâce d'aller là-bas, ce n'est pas tes efforts. La grâce est relâchée sur toi. Tu montes et tu demeures parce que ceux qui montent sur la montagne entendent Dieu. Comment on entend? Il faut entrer dans la dimension de ceux qui marchent par l'esprit. Mais Dieu parle. Donc ceux qui montent sur la montagne atteignent la dimension où ils entendent la voix de Dieu. Ils n'entendent plus la voix de la chair avec ses passions et ses désirs. Ils n'entendent plus la voix de l'âme avec ses craintes et ses caprices, avec ses phobies et ses angoisses. Ils entendent ce que l'esprit est en train de dire. Si tu es là, tu dis amen. Monte sur la montagne, exige, c'est entrer dans la dimension et la demeure dans le lieu secret. C'est ça la montagne. Tu as trois parties.
l'esprit, l'âme et le corps. Monter sur la montagne, c'est monter au-dessus. C'est la dimension de l'esprit. C'est la dimension de ton esprit. Parce que c'est l'esprit qui s'élève dans la romance et dans la communion, dans l'attachement à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Monter sur la montagne, c'est la clé pour être délivré de la peur. Parce qu'on entend un autre son. Il faut monter en hauteur. On entend un autre son. Il a toujours une instruction. Il a toujours une directive. À certains, il te dira, continue de faire ce que tu faisais, mais fais le mieux. Mais Seigneur, la crise arrive, il dit, ne t'inquiète pas, continue. Il y a d'autres qui diront, va là-bas, redimensionne de toi, va dans telle direction. Et il faut que tu arrives et tu vas aller. C'est la grâce qui va relâcher sur toi. La dimension où on entend monter sur la montagne, c'est la dimension de l'esprit. C'est la dimension où il t'emmène à découvrir les chemins tout tracés qu'il a placés en toi. Ok? Psaume 84, la version seconde 21. Psaume 84, verset 5. Heureux ceux qui placent leur force en toi, ils trouvent dans leur cœur les chemins tout tracés. Les réponses de Dieu sont en toi. Ou je dirais les réponses de Dieu, oui, elles sont en toi. Elles sont en toi pourquoi? Elles sont en toi parce que ton esprit est uni au Saint-Esprit. Donc, l'esprit rend témoignage directement à ton esprit. Tu ne les connais pas ces réponses parce qu'elles ne sont pas arrivées dans ton intelligence, dans ton âme. Mais sinon, elles sont dans ton esprit. Tout est à l'intérieur de toi. Il ne te manque rien. Mais quelqu'un dit amen. Il ne te manque rien, tout est là. La question c'est, Seigneur, révèle-moi tes voix. Mais quand tu demandes, révèle-moi tes voix, ces voix-là sont déjà à l'intérieur de toi. C'est dans ton esprit. Ce n'est pas dans l'esprit du prophète. C'est dans ton esprit. Et c'est quand tu engages la relation, l'adoration, l'obéissance, l'intimité, la prière, la soif qui te révèle les choses cachées. Qui soit à l'intérieur de toi. Je prie qu'il te les révèle au nom de Jésus. Je prie qu'il te les révèle au nom de Jésus. Il y a une personne, monte sur la montagne dans ce pays. Tu ne peux pas sortir de l'inquiétude tant que tu n'entends pas un autre son. You need to hear God. You need to hear God. Tu as besoin d'entendre Dieu. Pour monter sur la montagne, il faut rentrer dans ta chambre. Et il faut fermer la porte. Elle m'a dit, ferme la porte. Dis à quelqu'un, ferme la porte. Ferme la porte, ça veut dire. Ferme la porte, ça veut dire garde ton cœur. Pour être focalisé sur lui, il faut que tu fasses taire toutes les autres voix. Garde ton cœur, littéralement, dans le contexte où on est. Ça veut dire quoi? Protège les portes d'accès à ton cœur. Ça veut dire, Dieu ne te demande pas d'être ignorant, inculte, de ne plus regarder les informations. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Écoute les infos une fois. Parce qu'entre le matin et le soir, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Et s'il y a des nouveautés, tu pourras les écouter le lendemain. Je n'ai pas entendu, amen. Ne passe pas ton temps à écouter les mêmes infos. C'est ça l'erreur qu'on commet. Ne passe pas ton temps à écouter les mêmes infos, à parler des mêmes conversations, à regarder les mêmes scènes, la même scène de la bombe qui a explosé, l'attentat. Et tu regardes toute la journée. Il m'a dit, garde ton cœur, ferme la porte. Ferme la porte, ferme la porte, ferme la porte. Il y a des gens parmi nous, ils ne savent pas ce qui se passe dans le monde, ils ne sont jamais au courant. Frère, ça c'est pas bon, tu dois être au courant de ce qui se passe dans le monde. La seule chose, c'est de ne passe pas ta journée à écouter ça, ne passe pas ta journée à voir ça. Ferme la porte, ça veut dire ferme la porte quand tu rentres dans la présence de Dieu. Parce que si tu ne fermes pas la porte, tu es encore au niveau de l'âme. Tes émotions sont touchées. Ça, c'est l'âme. Il faut fermer la porte. Parce que quand on va dans le lieu secret, on n'emmène pas les informations de l'âme. Quand on va dans le lieu secret, on va vous prendre les informations de l'esprit. Alors, tu ne peux pas dire à Dieu, du coup, tu vas rentrer. Non, en fait, non, la vérité, c'est que tant que tu ne vas pas fermer la porte, le Père dans le lieu secret ne se révèle pas. Voilà. Le Père te révèle ses voies dans le lieu secret. Seulement quand tu as fermé la porte. Parce que quand tu ne vas pas fermer la porte, il y a trop de bruit. Tu n'entendras pas Dieu. Même s'il parlait, en fait Dieu parle, mais tu ne l'entends pas. Pourquoi? Il y a trop de bruit. Il faut fermer. Donc il faut fermer les autres voix.
Faut fermer. Si tu comprends, dis amen. Faut fermer. Il m'a dit, faut fermer. C'est pourquoi des fois, quand tu commences à prier, quand tu commences la prière, tu as tellement de voix. La voix de ta chair. Seigneur, j'ai mal. Aïe. Aïe. Et ces voix-là, déjà, rien que la voix de ta chair, veut déjà t'empêcher de monter sur la montagne. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais oui. La maladie, les douleurs, les passions, les choses que je n'ai pas encore, les convoitises, la chair. C'est pour ça que Dieu ne se révèle pas dès que tu commences à prier. C'est pour ça que dès que tu commences à prier, tu sens rien. Parce qu'au niveau de la chair, on sent rien. Il n'y a pas Dieu. Alors, il faut quitter la chair. Et puis, il faut passer par l'âme. Tu ne t'arrêtes pas à l'âme. Les émotions, la tristesse, l'angoisse. Mais comment on fait pour les enlever? Je sens en moi la peur. Je sens en moi la crainte. Je sens en moi... Et une voix me dit, tu vas me manquer de carburant, de courant. Je ne vais pas repartir à l'âge de pierre. Si, tu vas y retourner par solidarité envers le continent sous-développé. Que tu as dépouillé pendant un moment quand même. Hein? Ah, les minerais, là. Hein? Ah, ah, allez! Même sort, même partage, allez, même galère, même combat. Allez! Hein? Pardon. Ah, ah. Alléluia. Bien, quelqu'un ferme la porte. Ferme la porte, oui, c'est ça. Élève la voix, prie en esprit. Nimro shikabalaro to sakebaye, mandoroboro koto sakalama, e la rokotosia, le bras ke tabaro to shakabaria, le mreke to sabayero. Au niveau de l'âme, tu sens la peur. Mais comment je me débarrasse de cette peur? Une fois me dit, tu vas galérer, tu vas mourir trop, tu vas mourir de si, ça va t'atteindre, ça va te frapper, comme ça frappe les autres. Tu vas connaître le même sort que les autres. Comment tu gardes ton cœur? Ne prends pas, tu peux répondre à cette voix qui te parle. C'est une forteresse qui essaie d'inoculer le venin de la peur. Mais quand tu es un être spirituel, reste dans la présence de Dieu. N'accorde pas trop d'importance à ce diable avec ses voies de séduction. Moi, j'ai découvert une des meilleures manières de faire fuir le diable, c'est de prendre de la hauteur. Parce qu'il y a une dimension, quand tu arrives sur la montagne, aucun démon n'arrive là-bas. La montagne. Alors, comment on fait pour aller là-bas? Parce que mon âme est angoissée. Rentre dans l'action de grâce. Rentre dans l'adoration. Commence à proclamer sa fidélité. Commence à lui dire, Seigneur, je te remercie de ce que mon cas est différent. Une voix me dit, maudit Dieu aimeur. Une voix me dit que je serai dans la confusion. Une voix me dit que je vivrai la pauvreté. Mais Seigneur, moi je te rends grâce parce que tu es le Dieu fidèle. Et c'est toi. Merci parce que c'est toi qui as dit dans ta parole. Vous verrez désormais la différence maintenant entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Entre le juste et le méchant. Merci de ce que mon obéissance à la loi de la dîme et des offrandes m'a établi, Père, pour être la différence. Et on verra cette différence. Je te dis merci de ce que ta fidélité parlera. Une voix me dit que ta fidélité, je ne la verrai pas. Mais moi, je sais que ta fidélité parlera parce que tu es El Shaddai. Parce que ta fidélité est engagée. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Quelqu'un a dit, j'ai écouté quelqu'un qui a dit, Dieu s'est fait homme, mais Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Merci de ce que tu es pleinement capable d'accomplir ce que tu as déclaré. N'es-tu pas El Shaddai, le Tout-Puissant et le Tout-Suffisant? Alors moi je te dis merci de ce que a toujours, ô Dieu, ta parole est établie dans le ciel et elle sera manifestée dans mon époque et dans ma génération et on verra éclater ta gloire. Et c'est toi, Père, qui as dit donnez et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, pour, si je ne réponds pas sur vous, la nourriture, la bénédiction plutôt, en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Merci de ce que tu es celui qui menace le dévoreur et je ne serai pas atteint. Mes finances ne seront pas atteintes. Une voix me dit, ah, tu vas encaisser l'inflation. Je dis, non, mon cas est différent.
à cause de ma filiation, de mon alliance avec Dieu et de mon obéissance. Mon cas n'est pas celui des autres. Mon cas, moi, c'est la différenciation divine. Et c'est ça qui sera mon partage. Je ne suis pas en train de parler à Satan. Je suis en train de rendre grâce à Dieu. J'ai découvert qu'en rendant grâce à Dieu et en proclamant sa fidélité, les voix de peur, les voix de terreur, les voix d'intimidation, les voix d'inquiétude qui voulaient m'envelopper, dès que j'ai monté seulement un peu dans les lieux, sur les hauteurs, il y a des voix qui s'arrêtent déjà là, je n'arrive pas. Parce que plus tu rends grâce, plus tu l'adores, plus tu le loues, plus tu le contemples, et plus il te fait monter. Viens ici mon fils, dans le lieu secret, oh par la copaya, et soudainement la porte est fermée. Et c'est là que tu as fermé la porte. Ah, mais quelqu'un me donne amen comme le donner. C'est comme ça qu'on ferme la porte. On ferme la porte en engageant le mystère de la prière, le mystère de la supplication, le mystère de l'action de grâce. En parlant avec Dieu, on prend de la hauteur quand on commence à les lever, à proclamer sa fidélité, sa bonté, à dire qui il est, ce qu'il a dit. Tu n'as pas besoin de... Satan, tu perds ton temps. Poursuis Dieu. Mais il y a une dimension. Tu vas atteindre. Parce que, il a dit, venez à moi. Attends. Il a dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Tu me suis? Hein? Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Donc, plus tu t'approches de lui, et plus lui aussi s'approche, et puis il te prend, et puis il t'escorte, il t'amène. Allez, viens. Et les démons, les voix qui te poursuivaient là, les voix là persistent parce que tu, au lieu de rendre grâce à Dieu, tu commences à dire, Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi je vais... Non! Pourquoi tu m'as abandonné? L'huissier menace, les factures ne sont pas payées. Non! Rends grâce à Dieu pour sa fidélité. À condition d'avoir fait ta part. Voilà pourquoi mon obéissance me remplit de confiance. Mon obéissance me remplit d'assurance. Mon obéissance, je fais ma part. Je dis à Dieu, tu es mouillé, tu es lié, ton pied, mon pied... Tu es engagé, j'ai fait ma part. Moi, j'ai apporté ma dîme, j'ai apporté mes offrandes. Je suis un bâtisseur de l'hôtel royal. Alors là, toutes les prophéties que tu as dites là, tu es pleinement capable de les accomplir. Et quand une voix veut me faire peur, je dis, Père, je te rends grâce de ce que à jamais ta parole est établie. Et moi, je suis établi dans cette parole et elle sera manifestée. Et quand tu as dit ça, tu sens qui est arrivé à Jésus, la Bible dit un ange parut du ciel pour le fortifier. Et soudainement, tu te sens fort parce que son feu t'a consumé. Que cette grâce soit relâchée sur toi. J'ai dit qu'elle soit relâchée sur toi. Oh, bien-aimé, tu n'as pas bien dit amen, là, tu n'as pas bien dit. Ton amen ne me satisfait pas. Acclame-le, 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 acclame-le. Monte sur la montagne. Prends de la hauteur. Monte sur la montagne. Ça exige. Il m'a dit, pas de prier, mais de te faire violence pour prier. C'est pas prier, c'est te faire violence. Te faire violence pour prier. Pour te connecter au temps de prière. Parce que quand tu veux monter sur une montagne, n'est jamais facile. Il y a l'effort, il y a la pesanteur, il y a le vent. Est-ce que tu sais que plus on va en hauteur, plus on ressent le vent? C'est vrai, non? Vous savez ça, non? Plus tu prends de l'altitude, plus tu sens des combats. Monte sur la montagne n'est pas aisé. Surtout pendant les crises. Surtout pendant les tempêtes. Surtout quand il y a plein de mauvaises nouvelles. Pourquoi? Parce que toutes ces mauvaises nouvelles créent, ouvrent la porte à des esprits de lourdeur, d'assoupissement. Donc monter sur la montagne, ce n'est pas un acquis. Il faut se faire violence pour monter sur la montagne. Il faut se cramponner et continuer de monter. Même quand le vent souffle, tu dis, je me cramponne. Sous-entendu, tu dois désirer la prière. Tu dois connecter aux atmosphères de prière. Tu dois te connecter à l'église en prière. Tu dois demander à ton groupe d'impact de prier, à ton groupe de soutien de prier, au groupe de disciples de prier. Tu dois t'engager dans les prières matinales, dans les prières du soir. En vérité,
plus le monde est rempli d'inquiétude, plus il faut multiplier les programmes, les plateformes de prière. Ton esprit ne le sent pas. Ton esprit qui était disposé en juin, en mai, ton esprit qui était embrasé, qui était enthousiaste, ne le sent pas. Dans cette période, ne le sent pas. Pourquoi? Il y a tellement de mauvaises nouvelles que ton esprit a pris un coup. Alors si je dis, ce sont 12 heures. Ah, je suis occupé. Je vais rester à la maison. Je vais manger. Parce que tu as pris un coup. Mais il m'a dit, tu as besoin qu'on mette des plateformes de prière. Parce qu'il n'y a pas de montagne sans prière. Il faut monter. Mais tu dois te battre. Alors au début, tu vas arriver. Tu te sens lourd. Tu sens que c'est dur. Avant, tu connectais tout de suite. Là, tu sens que tu es en train de ramer. Il m'a dit, reste sur la montagne. Continue de faire l'effort. Et quand, voilà pourquoi tu ne dois pas le faire tout seul. Si tu es seul à la maison, mets adoration prophétique. Va sur Evan Castelnau TV. Prends ce que tu veux, mais prends une atmosphère où il y a, soit c'est la musique, soit c'est des chants, soit c'est instrumental. Va sur le site de Nathanaël Bruno et prends, mets en boucle par, non je t'assure hein, mets en boucle des temps de prière. Ça peut être avec la musique, ça peut être juste instrumental. Vas-y, Rokopaya là-bas, juste un instrumental, et tu vas te rendre compte, tu te sens lourd, mais ne reste pas seul, ne reste pas dans le silence, connecte-toi à l'atmosphère de prière, et là tu commences. La batterie, où est la batterie? Makoto Kapara, Emere Kato Kele Madela Maraba, Chemilar Madela Koto Sabalera Mato Ketelaba, Rako Parakata Sakapa, Ekato Karababa Sokotoka, Eketamala. Au début, tu te sens lourd, tu n'as pas envie, mais reste là, reste dans l'atmosphère. Et petit à petit, tu vas sentir que c'est en train de te prendre. Alors qu'est-ce qui se passe? En vérité, tu es en train de monter. Et puis à un moment donné, tu es dans la présence de Dieu, tu es fatigué et tu te sens juste embrasé. Enflammé, consumé, à chaque prato ça. Aïe. Et laisse-moi te dire quelque chose. Quand tu auras fini la prière, tu vas dire, waouh, je pète du feu là. Waouh, je suis, je me sens en feu. Et tu vas dire, et tu vas remercier, non pas toi, ton âme va te dire merci de ne m'avoir pas laissé pressé par la chair, pressé par la peur. Ton âme va te remercier de ce que tu l'as tiré. Parce que ton âme, en vérité, Jésus a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'âme est au milieu. L'âme subit les pressions, soit de la chair, mais l'âme doit être tirée par l'esprit. Ton âme va te dire merci. Parce que tu m'as attiré sur la montagne. Tu m'as rempli de la paix de Dieu, la joie de Dieu, l'amour de Dieu, la bonté, la fidélité, la patience de Dieu. Et la voix de Dieu, tu m'as connecté à la voix de Dieu. Et sur la montagne, tu vas entendre. Moi, j'étais en jeûne cette semaine. Prends des temps de jeûne. Même si c'est un jour, même si c'est une demi-journée, tant pis. Prends des temps. Quand l'atmosphère est remplie de mauvaises nouvelles, bats-toi, fais un effort pour monter sur la montagne. Ce n'est pas automatique. Fight. Je n'aime pas la mollesse de ton acclamation. Je n'aime pas la mollesse de ton acclamation. Je n'aime pas. Acclame-le. Et pendant que tu l'acclames, il relâche la grâce. Rakapara kodosa. Sheketaba. Rekato sakara. Shivali ramini namale ramini lu. Shere barokotos. Miséricorde de miséricorde. Acclame-le. Monte sur la montagne. Toi aussi, monte sur la montagne. Miséricorde. J'ai dit acclame-le. Sakabala Rokoto, Sakapaladia. Toi aussi, monte sur la montagne. Fais trop lent. Monte sur la montagne, toi aussi. Miséricorde. Mais faut monter. Tout le monde doit monter sur la montagne. Il y en a assez. Allez, monte. Élève la voix et fais monter des prières en esprit. Barakato pale kotosa. Shikabala bokotose kepaya. Chei li romani romani romash.
Shalama. Recopala Tasia. Shimale la Maracoto Sierra. Jie Marato Sierra. La louange montait sur la montagne. Les techniciens montaient sur la montagne. L'église monte sur la montagne. Parokopaya. Shikabara. Eketepala. Ikatapa. Ekotosa. Je réprime l'esprit de lourdeur qui avait profité des circonstances, de la fatigue ambiante. Je réprime l'esprit d'assoupissement. Je réprime l'esprit de tiédeur. Je réprime l'esprit de mollesse. Je réprime l'esprit de lenteur. Je réprime l'esprit de tortue. Je réprime la montée de l'escargot. Que le zèle de ta main, de sa maison, te dévore, te saisisse maintenant au nom de Jésus. Que la grâce de monter, de gravir, la grâce d'être endurant, résilient, bouillant, fervent, la grâce de ne pas céder, de ne pas prier, de ne pas lâcher, soit relâchée sur ta vie. Libre li maroto se que malaro. Chili malero malero ma se que la maro. Saya maracoto sapala. Se que maya marocoto sacapa. Chemine la maro silere. Pas du Seigneur, viens sur nous, papa. Pas du Seigneur, viens sur nous. Bras du Seigneur, viens sur nous. Oh, bras du Seigneur, viens sur nous. Viens sur quelqu'un connecté au son de ma voix. Viens avec puissance et force. Viens comme un feu dévorant. Viens comme un vent impétueux. Viens détruire les joues, ôter les fardeaux. Viens réprimer l'esprit de lourdeur. Viens réprimer l'esprit de peur par la voix du sang de Jésus-Christ. Que ce que le Père n'a pas planté soit brisé. L'ennemi voulait encore te ramener dans la fatigue, dans la lourdeur spirituelle. Mais dans le nom de Jésus, tu sors de là maintenant au nom de Jésus. Et tu retrouves la vigueur et la force. Tu retrouves le zèle de sa maison. Tu retrouves la ferveur. Oh du Seigneur, oh Saint-Esprit, Pareto Sakapa, Chekepala, Rekoto Sakabaya. Je réprime l'esprit de lourdeur, l'esprit de lenteur, l'esprit de tortue qui voulait revenir encore comme à l'époque du Covid, mettre un voile, étouffer, asphyxier. Cette fois-ci, tu ne gagneras pas. Cette fois-ci, tu ne prévaudras pas. Je te réprime au nom de Jésus. Par la voix du sang de Jésus, toute langue qui s'est enlevée en justice pour appeler l'épuisement, la fatigue, que ces voix par le sang de Jésus soient condamnées en jugement maintenant. Voix du Seigneur. Voix du Seigneur. Du Seigneur, viens sur nous. Le capalero malero. Seigneur, viens sur nous. Seigneur, viens sur nous. Chavalaro dosia, le capalara, malero dosi capala, chakabalara le katosa. Chekebalaro dosi le ma, chala malaro. Si malaro te se kamalara bo, sha malare do do malera masia. Nous recevons, ha ha ha, ha ha, chaque balade ma. Des verses, maintenant. Des verses, maintenant. Ton feu que l'inquiétude jusqu'à sa racine. Père soit consumé. Ah, ah. Les bras côtés. Une minute de déversement de ton feu. Ah, Shalabaria, Rekabaya. Que ce que tu n'as pas planté soit consumé par. Ayaré, Shakabarotosia. Que les fardeaux pesants et les joues du diable soient consumés par. Rekoma, Shakabaya. Là où l'ennemi s'était approché.
touché, l'esprit de mort s'était approché. L'esprit d'infirmité, de mort, par maladie, par affliction, par AVC, par accident, par tumeur, par AVC. Qu'il soit aussitôt réprimé par chaque après côté sacré. Que ce que le Père n'a pas planté soit consumé. Oh, mets ta main, mets ta main. L'ennemi voulait avoir un avantage à travers ces crises, à travers ces mauvaises nouvelles. Mais dans le nom de Jésus et par le sang de Jésus, que le feu soit relâché. Trouve-toi un chemin, fais-toi un chemin, fais-toi un chemin. Accomplis ton ministère et de libérer, de guérir les cœurs brisés, de libérer les prisonniers. Accomplis ton ministère d'envoyer ta parole et de libérer. Ouvre les yeux des aveugles, envoie libre les opprimés, cher et magnifique. Fais infiniment ou abondamment au-delà de ce que nous te demandons. Relâche, relâche, relâche infiniment et abondamment au-delà de ce que nous demandons. Je déclare les œuvres de la torture, de la lourdeur, de l'assoupissement, totalement anéanti sur l'Église. Un pax en chrétien, au nom de Jésus, le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, amen. Amen, 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 amen. Amen. Amen, amen. Amen à la parole annoncée. Amen à la guérison. L'inquiétude ne réussira pas sa mission. Oh non, le sang est contre toi. Le sang de mon grand frère parle contre toi. Ton état de siège est brisé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. We thank you, Father. Abba Père, nous te rendons grâce. Merci de ce que tu as envoyé ta parole. Et ta parole nous a guéris et nous a fait échapper de la fosse. Alors personne ne sera pris dans cette fosse. L'exterminateur que tu m'as montré est en train de planer sur les maisons, sur les individus, pour injecter la peur sur quiconque est connecté au son de ma voix, et nous et nos enfants, et les personnes attachées à nos destinées. L'exterminateur a échoué. Le sang de Jésus l'a réprimé. Et il est commandé de passer par-dessus, d'aller voir ailleurs. Merci de ce que tu nous fais monter sur la montagne. Tu nous fais demeurer dans ta communion. Et tu nous fais entendre tes instructions. Que mille tombent à nos côtés, dix mille à notre droite, nous ne serons pas atteints. Parce que nous entendons une instruction. Merci de ce que tu as compassion de nous. Et ta parole révèle encore combien... à quel point tu tiens à nous et tu as compassion de nous. Merci. Parce que ta parole n'est plus rare. Elle est révélée, elle est communiquée et elle est entendue. Honneur, louange et gloire à toi. Père, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Alors, le Seigneur t'a parlé par cette parole. Le même Seigneur a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il sait que l'inquiétude te fatigue, mais tu ne le connais pas. Tu n'as même pas encore accepté dans ta vie, et il n'y a pas meilleur jour pour être sauvé que le jour aujourd'hui. Alors si toi aussi, comme nous, tu veux donner ta vie à Jésus, venir à lui, marcher avec lui, et monter sur la montagne, escorté par lui, alors il faut que tu commences par le commencement et que tu fasses de Jésus la porte de ta vie par laquelle tu commences. Ça commence juste avec une prière. Si tu ne l'as pas faite, répète avec moi cette prière. Invite-le dans ta vie. Fais de lui ton sauveur et ton Seigneur.
Dis avec moi cette prière simple. Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. Pardonne ma misère. J'ai besoin de toi. Lave-moi par ton sang précieux. Viens dans ma vie. Sois mon sauveur. Sois mon Seigneur. Change-moi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Alors, si tu as fait cette prière, mon frère, ma soeur, connecté au son de ma voix, il te faut envoyer le mot salut sur Internet. Il t'envoie le mot salut au numéro qui s'affiche à l'écran et tu seras reçu juste après. Tu vas recevoir un message automatique et tu seras reçu par nos conseillers. Mais si tu es en présentiel, tu as fait cette prière, je demande à tout le monde d'incliner la tête, incliner la tête, incliner la tête. Et toi, là où tu es, tu peux lever la main simplement. C'est un moment personnel, mon frère, ma soeur. Tu ne regardes à personne. Tu as fait cette prière pour la première fois. Ou alors à l'époque, tu as connu Jésus, mais tu avais abandonné sa main. Tu veux revenir à lui? Lève la main et sors vite des rangées. On veut prier pour toi et surtout te recommander à nos conseillers qui vont prendre soin de toi, qui vont t'accueillir de manière personnalisée et t'expliquer après cette prière, c'est quoi la suite. Alors, y a-t-il une personne qui veut donner sa vie à Jésus aujourd'hui? Il n'y a pas meilleur jour pour être sauvé. Nous, on t'attend et la Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel lorsqu'un seul pécheur se repent. Où es-tu? Qui veut faire la joie du ciel ce matin? Le Père a les caméras sur toi. On veut t'attendre, on t'attend, je te laisse encore 15 secondes. Sors dérangé, viens devant. C'est un moment personnel, ne regarde à personne. C'est personnel, c'est personnel, c'est personnel, c'est personnel, c'est personnel. Seigneur, merci pour cette personne qui dit oui à toi, qui dit oui à Jésus. Je demande que tu lui révèles ton amour. Je demande que tu lui accordes la grâce de te connaître. Mets ta main sur la personne qui dira oui à Jésus aujourd'hui. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, amen. Amen. Prenez nos bien-aimés, emmenez-les directement sur le côté. Prenez-les directement, on y va, on y va. Suivez nos conseils. Voilà, on acclame Jésus, acclame Jésus. Quand il y a un seul pécheur qui se répand, le ciel est dans la joie, le ciel est dans la joie. Alors, veuillez vous asseoir dans sa présence. Nous sommes arrivés à la fin de notre temps de célébration et c'est notre